matin est tirée du livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 1, verset 10 à 31. The spiritual message we have to listen to this morning is taken from the book of Isaiah. Isaiah chapter 1, from verse 10 to 31. Nous promettons Jéhovah Yahweh ton roi d'aligner ton. N'ayant qu'il y a son oué Yahweh dans Isaïe à ton. Au tête ton coutan, baissant à quoi ton aou, veille d'être nous prendre le coup. Au nom de Jésus, le Sauveur. Père, nous venons d'ouvrir et lire cette prophétie. Que nous comprenions les choses à comprendre pour devenir ton peuple. La manière dont nous nous rapprochons de toi, ou que nous nous éloignons de toi, que chaque personne arrive à comprendre. Car nous sommes venus reconnaître notre position si nous sommes rapprochés ou éloignés de toi. Permets-nous de comprendre toutes ces choses. Afin de savoir et reconnaître les choses qui font éloigner de toi. Et les choses qui nous font rapprocher de toi. Pour faire cela jusqu'au jour de notre mort. Ou jusqu'au jour de la résurrection. Au nom de Jésus. Voici tout de celui qui adore Dieu. À part ceci, le reste, c'est que du mensonge. Parce que pour l'adorer, il y a des choses qu'il demande à un adorateur, celui qui l'adore, de faire. Il y a également les choses qu'il lui défend de faire. Et si nous reconnaissons ces choses, cela veut dire que nous connaissons Dieu. Et si nous méconnaissons ces choses, cela veut dire également que nous ne connaissons pas Dieu. Car plusieurs adorent Dieu mais ne le connaissent pas. Et une minorité l'adore et le connaît aussi. Car il nous a déjà dit. Et lorsqu'il était venu en posture de notre corps, il dit, plusieurs sont appelés, mais peu seront reçus. Voilà ces points sur lesquels nous devons réfléchir. Plusieurs sont appelés, mais peu seront élus. Pourquoi donc? Pourquoi les choses iront de cette manière? Nous devons donc reconnaître la raison pour laquelle ou la cause de cela. Et voilà ces choses qu'il a déclarées ici. Aucune de ces paroles n'est cachée. Si tu veux lui appartenir, tu reconnaîtras sa parole. Et si tu connais sa parole en agissant selon elle,
il te reconnaîtra comme son peuple, quelqu'un qui lui appartient. Car tous ne sont point à lui. En vérité, tous invoquent son nom, mais tous ne lui appartiennent point. Et comment faire pour lui appartenir? C'est cela que nous devons chaque fois rechercher dans sa parole. En lisant les reproches qu'il a fait à certains adorateurs dans les fautes qu'ils ont commises. Et si nous lisons ces censures, alors nous devons prendre garde pour ne pas répéter les mêmes choses de peur d'avoir les mêmes châtiments que ces gens-là. Et donne à Esaïe. Il dit à Esaïe. La condition de ceux qui l'adorent en son temps. La manière dont il n'est pas du tout content du culte qu'ils sont en train de rendre. Parce que ce qu'il dit est à part et ce que les adorateurs ont décidé de faire également à part. Et ce qui est important pour lui, Dieu, c'est à part. Mais ses adorateurs se sont attachés à ce que Dieu n'agrée pas, ce qui ne lui est pas important. C'est pour cela qu'il a parlé par Esaïe en ces termes. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Pourquoi les a-t-il appelés chefs de Sodome? Cela veut dire que les péchés qu'ils commettaient, que ces gens commettaient, étaient plus graves que les péchés qu'ont commis ceux de Sodome. Que les gens de Sodome n'ont pas agi cruellement comme ces gens avant d'être exterminés. C'est pour cela qu'il les a nommés ici chefs de Sodome. Cela veut dire qu'ils ont agi dépassant même ceux de Sodome. Sur le point du péché. Aucune obéissance. Il dit, prêtez oreille à la loi de l'Éternel. Peuple de Gomorrhe. Parce que voilà ces deux villes qui ont été censurées dans les temps anciens. Parce qu'ils n'ont point observé la loi de l'Éternel. Eux tous, unanimement, se sont retournés au péché. Et ils n'ont en eux aucun interdit. Ils font tout. C'est pour cela que la colère de l'Éternel s'est révélée contre Sodome. Et jusqu'à aujourd'hui, si tu arrives à Sodome, tu sauras effectivement ce qui s'est passé. Parce que cela sent la chaleur. Et rien ne prospère sur cette terre-là. Et si Dieu appelle aujourd'hui en disant peuple de Gomorrhe, chef de Sodome, qu'est-ce que ces gens-là sont en train de faire? Cela veut dire que c'est des gens qui sont destinés à la ruine.
De mi nan bayi mo hwen do mi ton mara hwen do de go je na gbre ko me do u na yi me awe de to hwen do me o yeso subo hu me awe o na mi nan bayi bo je mara pon mi li hwen do fi va ton u we yi nu era yi le pon na mi to asan le koji to je no ko. Ce qui doit nous préoccuper chaque jour de notre existence devant Dieu, c'est comment faire pour que notre famille, des deux membres de la famille qui vivent dans la même chambre, nous ne soyons pas une famille contre qui l'Éternel Dieu se met en colère. Et si nous nous multiplions en ayant des enfants, c'est comment faire pour que notre famille ne périt pas comme la famille d'Élie. Parce que qu'est-ce qui a causé la ruine là? Le fils du sacrificateur n'a plus obéi. Et ni le peuple, ni les enfants des sacrificateurs, aucun des habitants du peuple n'était obéissant. Et là où on espère de bonnes choses, rien de bon ne sort de là. Et comment donc faire pour que notre maison et nous ne soyons pas une maison sur qui la colère de l'Éternel Dieu va descendre? Parce que quand on parle de peuple ou église, cela commence à partir de la maison. Ma famille, ta famille, votre famille, c'est l'ensemble de ces familles-là qui constituent l'église. Et si chaque fois nous prenons garde en veillant sur les choses qui peuvent causer la ruine à notre famille pour nous en détourner, je crois que la ruine, notre famille ne sera pas destinée à la ruine. Ni melepo non le tamekondo numankogo manado moto kwegbe manado wato kwe metongbe e manati takume. Et si tout le monde peut réfléchir à cela et se garder de le faire, que ce soit à la maison ou à l'église, cela ne va jamais se révéler. Ni edo fona. Et quand on néglige, il donne ma wandi. Comme si cela n'est rien et que à cause de cela l'Éternel Dieu ne se fâchera pas contre nous, cela veut dire que on se plonge, on s'enfonce encore davantage dans le péché. Cela veut dire que le nom que la prophétie nous donne, nous portons effectivement ce nom-là. Parce que nous tous, les hommes, les habitants de la terre, nous sommes concernés par cette parole. Car nous sommes la génération d'aujourd'hui. En commettant les péchés qui sont à la base du trouble du monde aujourd'hui. Écoutez, prêtez oreille, chef de Gomorrhe. Et peuple de Sodome. Et quand on examine les péchés qui se font sur la terre aujourd'hui, avec les âmes puissantes avec lesquelles nous commettons ces péchés, effectivement, le monde d'aujourd'hui est établi chef sur Sodome et Gomorrhe.
parce que la capacité de ce que nous faisons aujourd'hui est vraiment grande. Nous avons la capacité vraiment qui excède à un niveau qu'on ne peut dire. Il peut donc nous appeler à leur chef. Parce qu'il n'y a pas une seule maison aujourd'hui, ou une seule ville, ou un seul pays, où la loi de l'Éternel est pratiquée comme il le faut aujourd'hui. Cela n'existe pas. Nul n'a égard à la loi de l'Éternel, nul ne se souvient parce que cela a été déjà remplacé par autre chose. Partout. C'est pour cela qu'on ne parle plus de Dieu. Donc, cette prophétie a vraiment raison du fait qu'il parle de chef de Sodome et de peuple de Gomorrhe. Le 11e verset dit: qu'ai-je à faire de la multitude de tes sacrifices? Qu'ai-je à faire de cela? Je suis rassasié des holocaustes de bélier et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir en ces choses. Ni au sang des taureaux, des brebis et des béliers. Je ne prends point plaisir en ces choses. Ni mi wa nou konche. Quand vous venez vous présenter devant moi, pourquoi souillez-vous mes parvis? Quels sont les parvis de l'Éternel? Voici donc les parvis de l'Éternel ci. Voilà donc les parvis de l'Éternel assises à leur place. Et les parvis de l'Éternel vont et reviennent. Et aucun d'entre elles ne sont purs. Le Seigneur n'y habite point. Et ce sont les démons qui remplissent ces parvis-là. Rien que l'esprit de faire le mal. Et si vous vous rassemblez devant moi, pourquoi souillez-vous mes parvis? L'homme est la demeure de l'Éternel. Et s'il a en lui la loi de l'Éternel, et si ensuite il la pratique, il deviendra le saint lieu de l'Éternel. Il va autoriser le mal à se pratiquer. Donc se rassembler, Dieu le veut bien. Mais il ne souhaite pas le rassemblement des impurs, des souillés, ceux qui se livrent à l'impureté. Ce n'est pas un tel rassemblement que Dieu désire. Comment est-ce que
Et il n'agrée pas ces sacrifices que la sanctification de l'homme, non. Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il nous a donné certaines lois. Mais aucun de nous ne la pratique. Et cela signifie toujours que nous avons souillé ces parvis. Il dit, en voulant présenter ton offrande devant l'autel, et que tu te souviennes que tu as un différend avec ton frère, il dit, ne mets pas l'offrande dans le tronc. Dépose l'offrande par terre. Et retourne et va régler cela avec ton frère. Avec ton frère. Et reviens maintenant. Fais donc ton offrande. Et cela sera agréé. Qui a obéi donc à cette loi? Mais il doit être quoi Et celui qui a un différend avec son frère ou sa femme ou son enfant ou avec son père, tout le monde donne l'offrande sans exception comme si rien n'était. Il dit, va régler l'affaire avec ton frère. Reviens faire ton offrande et cela sera agréé. Parce que celui qui regarde l'offrande qui se fait est là également et examine le cœur. Et demande une condition, c'est que le cœur soit libéré d'abord avant que l'offrande ne soit agréée. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. L'offrande devient vaine lorsqu'on le fait sans remplir la condition qu'il faut, le cœur libéré, dégagé. Cela veut dire qu'on fait l'offrande visiblement, mais à l'intérieur, le cœur est souillé. Et c'est à partir de l'intérieur que Dieu veut sentir ton offrande. Il veut voir à travers ton intérieur ton offrande parce que lui ne regarde pas à l'extérieur. Et avant que ce que tu ne fasses devant lui extérieurement soit agréé, la manière dont tu dois le faire intérieurement, il l'a déjà révélé. Le Fils de Dieu est véritablement Dieu. C'est pour cela son enseignement et l'enseignement du Père sont unanimes. Faire le sacrifice devant Dieu, cela n'ôte pas le péché. C'est seulement si tu te repens. Et quel que soit ce que tu vas faire devant Dieu, que ce soit dans l'amour, dans la repentance, c'est cela que Dieu agrée. Vous brûlez des encens, mais j'ai en horreur. Mido suya yanyi, bodo sabazan lanyi,
Vous observez les nouvelles lunes, vous honorez les sabbats, les assemblées, mais j'en ai marre de regarder ces choses. Et je ne peux voir le crime s'associer aux solennités. Et je ne peux voir le crime se commettre devant moi, dans vos assemblées. Parce que vous n'avez point abandonné le mal, vous demeurez dans le crime et vous rendez le culte. L'Éternel Dieu dit qu'il n'est pas d'accord, cela n'est point agréable à ses yeux. Tu veux honorer le sabbat, d'accord. Tu veux venir à mon assemblée, d'accord. Quel que soit ce que tu veux entreprendre pour moi, abandonne d'abord le mal, le crime. Le 14e verset. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Pourquoi cela est-il devenu une charge devant l'Éternel? À chaque fête, chaque personne a déjà son péché et a déjà formé cela, ce qu'il doit commettre demain devant l'Éternel. Avec tout ça de péchés, l'ivresse en premier et tous les autres péchés dont a parlé l'Éternel, cela est associé au fait. À chaque fête, les crimes s'associent, les péchés s'associent aux solennités. C'est pour cela que Dieu déclare que cela lui est à charge. Et je suis là de les supporter. 15. Le 15e verset. Et quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Pourquoi? Un adorateur va étendre sa main devant Dieu, mais l'Éternel Dieu va s'en détourner ailleurs. Et regarde un peu. Et quand vous multipliez vos prières avec bruit, je n'écoute pas. Et qu'est-ce qui va empêcher la prière qu'on a tant fait avec bruit à l'Éternel des Océans? Et où tu? Qu'est-ce qui va causer cela? Ils ont mérité le. Ni yeto dino. Ode, mi hode, mi do kan odego. Oui, ira do kan odego bi. Mais nous en osons quoi, nous sommes des lois. Mi do lowa, ni mi ben lowa, mi do ho. Wako mi nado ken budo ho kung ukro na go bay lo. C'est pour cela certaines personnes disent prier. Prier sans cesse, prier incessamment. Effectivement, nous allons prier. Mais est-ce que nous avons déjà rempli les conditions avant que les prières ne soient exaucées? Si nous les remplissons, avant que nous n'ouvrions nos bouches, la prière serait déjà exaucée. «
Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Et qu'est-ce qui va faire que chaque fois que nous allons multiplier nos prières, l'Éternel Dieu ne va pas écouter? Nous devons donc nous éloigner de ces choses. Mais il a dit, vos mains sont pleines de sang. Vos mains sont pleines de sang. Et c'est pour cela, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Qu'as-tu de plus que d'étendre ta main vers le Seigneur pour qu'il t'écoute? Qu'est-ce que tu as plus d'avantage que de prier, d'adresser des prières à l'Éternel et qu'il nous exauce? 16 de mon. Le 16e verset dit, lavez-vous, purifiez vos mains. Et lavez, purifiez vos cœurs. Et ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Et cessez de faire le mal. C'est là le point essentiel. Cessons de faire le mal. Et nous allons étendre nos mains. Et il tournera sa face vers nous. Nous allons prier. Et il nous écoutera. Et agira selon nos prières. Si nous ôtons de devant ses yeux la méchanceté de nos actions. Dieu est miséricordieux, raison pour laquelle il révèle à l'homme son point d'achoppement. Ce qui va causer sa ruine plus tard, il le révèle chaque fois. Miton a dit dans mini le colo, bodoto noue doit être là. Il nous revient à nous de retourner vers lui, d'examiner nos actions, d'amender nos actes pour voir si nous menons notre vie selon sa parole, selon ce qu'il nous a demandé. Et si tel n'est pas le cas, nous allons le supplier. Et lui promet de nous examiner à nouveau. Que nous n'allons plus répéter les mêmes choses comme hier, ou il y a une année, ou il y a un mois en arrière, non. Et si Dieu te voit fidèle à travers ces paroles que tu as prononcées devant lui, toi-même tu sauras que tu as effectivement un Dieu. 17. Le 17e verset dit, apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protéger l'opprimé. Faites droit à l'orphelin, défendez la veuve.
18 d'amour. Le 18e verset dit. Nemi gonu ya yande wa mitene leson ason miton le melo mbo sepomi. Et si vous retirez de vos actes cette méchanceté, venez approchez-vous de moi, dit l'Éternel. Mi wa de din fielo. Venez à moi. Mina do hodo kwadi. Et plaidons. Mo e kuro no do niye. Dit l'Éternel. Ni yan do mi ton biya. Die ododo ngoton ena weta idi o sin wewe pranamana. Et si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Ni ebiadi afove nko ena wedi gbofun pepepepe. Et s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Dieu a le pouvoir d'ôter le péché de l'homme. C'est pour cela qu'il a envoyé son fils qui a le pouvoir de le faire sur le monde, dans le monde. Le fils que tu enfanteras, tu lui donneras le nom de Jésus. Et c'est lui qui ôtera les péchés de son peuple. Et c'est le seul que Dieu a mandaté d'ôter les péchés de l'humanité. Et si quelqu'un lui résiste, son péché demeurera sur lui. Et si vous vous repentez, venez à moi. Et ensemble, nous allons plaider. Il n'y a pas à faire à ne point exaucer vos prières. Et en voyant vos mains, je ne détournerai plus mes yeux. Et si vos péchés sont comme le cramoisi ou la pourpre, deviendront comme la laine. Le 19e verset dit. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, en vous repentant, vous mangerez les meilleures productions du pays. Vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez, et si vous êtes rebelles, vous serez dévoré par le glaive. Vous serez dévoré par le glaive. Que Jésus nous combatte cela. C'est pour cela être rebelle, s'entêter contre les ordonnances de Dieu, on finit par passer par le glaive. Car la bouche de l'Éternel a parlé. La bouche de l'Éternel a parlé. Et si nous regardons un peu dans le monde ce qui se passe, un événement précède l'autre et les événements se suivent. N'est-ce pas passé au tranchant de l'épée ça? Les tremblements de terre qui se produisent dans certains lieux ou les écroulements des bâtiments ou sans que les bombes ne soient lancées en ces lieux ou à des moments donnés, ce sont les œuvres des hommes où ils font cette méchanceté-là. N'est-ce pas ce qui signifie passer par le glaive?
be ma o to bi bi oro gbe lo bi ni le ko so yiran me bo goldo jesu christi sin pon kon ko ron zan pon lo di de jesu bi amido pon nunayon. Donc Dieu invite le monde entier à se détourner du mal, à revenir s'attacher aux enseignements de Dieu en pratiquant cela comme Dieu le demande, et nous allons réussir dans tous les sens. Nègre. Quoi donc? On note mais oui où est ton maintenant note maintenant c'est ton leton sur les zooms à Kawé. La cité fidèle est devenue une prostituée. Bogona nyando rempli d'iniquité. Fie nyando makanonoda iwe. Or entre temps il n'y avait point d'iniquité en ces lieux. Dodo wenono flendai. La justice habitait donc en ce lieu-là. Ejirodo dodo ni gobio kwe mitangwe. E gobio kwe mitola do kuro kwe enati tagume. Toli miu me dodo to kwe tangwele we wakuli to fiu to. Dieu souhaite que la justice revienne dans nos maisons, et quand cela va exister dans nos maisons, cela va également exister dans l'église. Parce que ce sont les membres de la maison de la justice qui viennent se rassembler devant Dieu et qui forment une église. Et encore. Quoi donc? La cité fidèle est devenue impure. Daï et Gorandodo. Elle était remplie autrefois d'équité. Et la justice y habitait. Mais aujourd'hui, il y a des assassins. Aujourd'hui, ce sont des assassins qui remplissent ce lieu. Qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. À quoi mettons qu'au diako? Ton argent s'est changé en scorie. Vin a été aussi condamné. Ton vin a été coupé d'eau. Et les deux yards, nous n'avons rien à couper et nous coupons. Cela révèle qu'il n'y a plus une bonne chose à espérer. Ni y en a deux côtés, nous n'avons rien à couper, mais y en a deux nous coupons. Quand le péché continue, le péché demeure, il n'y a plus de bonnes choses à espérer. Ton vin a été coupé d'eau. 23 d'eau. Le 23e verset dit. Au grand où il est, nous dentons et yé. Bosoyi, mais le couloir quoi, Dieu t'en l'écho. Tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. Yé mec, poto, nous n'y n'adin. Tous aiment les présents. Et court après les récompenses. Et ils ne font pas droit à l'orphelin. Ni à la cause de la veuve. Et c'est pourquoi. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel des armées, le fort d'Israël. Ah, je tirerai satisfaction de mes adversaires. Je tirerai satisfaction de mes adversaires. Qui sont ceux qui sont vus par l'Éternel comme ses adversaires? Ceux qui n'observent pas ses préceptes. «
Et je me vengerai de mes ennemis. Je porterai ma main sur toi, je fondrai les scories, tes scories. Comme avec de la potasse. Et j'enlèverai tous tes parcelles de plomb. Je rétablirai tes juges d'autrefois. Et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement. Après cela, après avoir tout fait, on t'appellera ville de la justice. Cité des fidèles. C'est le nom que tu porteras désormais. Au moment où Jésus reviendra. Si on sera sauvé par la droiture, et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice. Pour cela, repentons-nous. Pour que par la justice accomplie par Jésus sur la croix, nous soyons sauvés. Mais la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs. La ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs. Et tous ceux qui abandonnent l'Éternel périront. Pour cela, attachons-nous à l'Éternel, celui qui s'est dépouillé de sa gloire et qui s'est revêtu de notre corps mortel et a tout fait pour nous. Recevons sa parole et nous serons sauvés. Car tous ceux qui abandonnent l'Éternel périront. Et il est déjà venu vers nous. Que tous ceux qui l'ont connu tel dans son état s'attachent à sa parole et à ses enseignements. Car tous ses enseignements sont saints. Et tous ceux qui les pratiqueront seront également saints. Et tous ceux qui auront adoré des idoles seront livrés à la honte. Et vous rougirez à cause des jardins dont vous faites vos délices. Car vous serez comme un térébent au feuillage flétri. Et comme un jardin qui n'a pas été arrosé. Et
Et vous savez comment tout flétrit dans un jardin qui n'a pas été arrosé, Dieu déclare que les choses seront ainsi. Et l'homme fort sera comme de l'étoupe. Et son œuvre comme une étincelle. Ils brûleront l'un et l'autre ensemble. Et il n'y aura personne pour éteindre le feu. Pourquoi? C'est le feu de la colère de l'Éternel qui s'enflamme contre les pécheurs et personne ne pourra l'éteindre. Qui pourra l'éteindre? C'est seulement ceux-là qui viendront vers Jésus. Seul Jésus a le pouvoir d'éteindre ce feu-là. C'est pourquoi. L'amour que Dieu a manifesté envers le monde, c'est vraiment un grand amour. Il veut nous épargner d'un grand désastre. C'est un désastre qui va se produire une fois pour toutes. Si c'est pour la perdition, c'est pour l'éternité. Mais si c'est pour le salut auprès de Jésus, c'est également pour l'éternité. Ce qui est sur le point de se passer, c'est vraiment terrible. Donnons nos meilleurs Jésus pour redouer, pour trouver ton sang déjà. Bénissons ceux qui ont trouvé Jésus, qui ont reçu sa parole et qui ont décidé de pratiquer la parole durant toute leur existence sur cette terre. Jésus bénira chacun de nous.
Ce qu'il faille faire devant lui pour avoir la vie éternelle. Il nous revient, c'est notre tour désormais pour lui demander ce qu'il nous faut, ce dont nous avons besoin pour avoir la force de le servir. Jésus-Christ, on est grand à ton mère. Au nom de Jésus-Christ, le Sauveur. Autant grand ou non, Père Tout-Puissant. Celui qui a dit « Demandez en mon nom ». Je le ferai pour vous, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Seigneur, je demande la nourriture des enfants pour tous tes enfants. Par la guérison, dans la bénédiction du pain quotidien,
Dans la victoire sur tous les ennemis. En voyant l'échec tous les plans des ennemis sur Dans la satisfaction des enfants aux enfants par leur nourriture qu'ils méritent. Dans la plénitude de la santé. Dans la plénitude de la victoire. Dans la plénitude de la supériorité sur les ennemis. Dans le fait de fouler aux pieds tous les ennemis. Que tous ceux qui te cherchent te trouvent, Seigneur. Révèle-toi à eux afin qu'ils sachent qu'ils ont Christ. Que rien ne leur soit caché. Ouvre leur yeux, Seigneur. Et que leur cœur s'ouvre. Et que la sagesse leur soit donnée. En toi, Christ, Seigneur. Fils et le petit-fils reçoivent l'instruction de toi. Le jour pour lequel nous t'espérons ne soit pas pour nous un jour de pleurs. Que nous soyons des fervents devant toi. Et maintenant et pour toujours, nous te présentons notre nation qui est Elles osent nos cris pour ce pays, Seigneur. Toutes les mauvaises choses de devant nous, Seigneur. Permets aux bonnes choses de s'affermir dans ce pays. Éclaire-nous. Afin que nos ténèbres se dissipent. Et que la lumière luise pour tous. Exauce-nous, Seigneur. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Alléluia. Alléluia. Mido alleluia 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 mi pagi gona Jesu Kristi ikon atam